adjoint, et ce, conformément à l'article 71 de la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales et même municipales et locales, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 22-029 du 29 juin 2022. À la date du 3 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux électoral des résultats, enregistré deux recours, notamment celui du candidat Goïn Kawasenga Théodore et celui de M. Etienne Paladavé, enrôlé respectivement sous le FCE-014 et sous le FCE-015. Après examen des moyens formulés par le requérant, la Cour de séance a passé les arrêts FCE-014 et 015 déclarés recevables mais non fondés le premier recours et irrécevable le second. Par son arrêt FCE-016 du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 71 et 161 alinéa 2 de la Constitution et faisant application des articles 81, 110 et 111 de la loi organique numéro 13 de la Cour, votre Dieu, vous comblez de sa sagesse au nom de votre responsabilité. Le segment constitutionnel prévu à l'article 74 de la Constitution que vous allez prêter maintenant est un acte historique qui inaugure votre second mandat dans la mesure où vous allez vous engager solennellement devant Dieu et la nation, notamment dans le village de Moukoma, secteur du lac Moukamba, territoire de Kabeya-Kamwana. Et son casier judiciaire ne renseigne aucun antécédent, aucune cause d'empêchement ni d'incompatibilité n'a été relevée dans son chef. Au terme de l'article 74 de la Constitution, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de vos
Oh!